excuses, vous m'avez complètement manqué. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq en commençant par le retour de Farah et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Vous m'avez complètement manqué, carrément ça me fait bizarre de prendre mon téléphone et de me resnapper, je vous jure. En tout cas, vous m'avez manqué. Mais bye buzz, vous m'avez complètement manqué. Et énormément. Je sais, vous avez pas mal de questions. Où j'étais? Qu'est-ce que je faisais en train de danser hier? Vous m'avez vu dans la story à Nasser, je suppose. En tout cas, si vous avez des questions, posez-moi les questions. Je vous répondrai à toute sincérité, quoi. Sincérité. Comment on dit? La story à Nasser. C'est ça que vous avez manqué. C'est la gueule, allez, on y va. C'est ça, Zahmad, tu te fous de ma gueule, là? Mais non, c'est Ngadji, il s'appelle Farah. Que c'est mignon. Toi, t'envoies pas des messages comme ça. Enfin, parce que tu t'es assez plus que si. Ah, oui. J'étais jalouse, mon sang, tu oui, vois. Oui, 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 c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, je vous explique, là, il y a Crémo, là, il y a Loriana. On va aller ramener le petit chat au vétérinaire. Mais Loriana, je comprends pas. Ça fait une semaine que lui, il est malade. Tu l'as ramené au vétérinaire. Wow. Et le chat, tu le ramènes au vétérinaire. C'est pas normal, ça. Il est assez grand, non? Ben, le chat aussi, il est assez grand, j'ai envie de te dire. Pas ramener au vétérinaire. Ma vie, ils font pas semblant. Oh là, ils font pas semblant, vétérinaire. Ben oui, mmh. On va bien chez le médecin, non? Comment il s'appelle le chat? Le chat Simba. Ma vie, ils font pas. Ah, Simba et tout, le nom, passeport et tout. Mais y'en a, ils ont pas de passeport, la vie de ma mère. Ah, Simba. Et il stresse en fait. Oh, tu rigoles? Non, mais c'est pas méchant, mais. Il stresse comme Nasdaq, le skin. Le chat. J'ai jamais vu ça d'une semaine avec du cachet. Je lui ai demandé du jour moins, il m'a dit il n'y a pas un cachet. C'était pareil. Mais ça n'existe pas ça. J'ai vu Nasser le faire. Il y a du miel, il y a du. J'ai jamais vu ça d'une semaine avec du Nutella et tout. Salé, ça marche non? Salé, mais je sais pas. D'une semaine avec du cachet. Et t'as osé me dire t'en veux avec du Nutella. Je propose mon frère que je te dise. Claudie, t'es d'un amour, franchement, ça fait plaisir, hein. Ça c'est pour ma cousine, pour mon oncle, ma tante, on est une famille nombreuse. Claudie, t'es d'un amour, y'en a pas pour toi. Mbappé. Et là, en fait, tu fais ta muscu du jour. Quand ma meuf me dit, va voir tes plus, je le vois. Et du coup, j'ai pas trouvé le bonheur dedans. Pourquoi m'investir autant? Je suis à la caille et dans. Je suis là pour marquer l'histoire. Je suis là pour marquer la story. En même pas deux ans des lois, j'ai la. Regardez comment elle est, j'ai dit mais moi de Larissa là. Pourquoi tu dis là toi? Elle est amazienne, ça se mélange pas. Galek, on est bon, mais comment ça on est bon? Je peux manger s'il te plaît, Farah? Oui. Ils ont loué l'entrée, tu peux y aller. C'est ça le problème. All eyes on me. T'es un remarque ta balance. Reste à l'affût, bâtard, pisse la valanche. On guette pas nos. Il stresse, Simba. Pourquoi tu stresses? Hein? Il est trop beau. Ouais, il est beau comme tout, mais. Il perd ses poils, il a dit il stresse comme Nasdaq. Il fait des trous. Parce qu'il retourne de Snapchat sur ça, mais c'est. Retourne de Nietzsche. Retourne de Snapchat. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? On voit pas, je suis en train de souffrir. Si tu veux, je prends une picture avec Simba. Ça a une picture. C'est une future star. C'est pas déjà une star, mon gars?
Tu vois pas, c'est... il veut pas faire de photo avec toi, le frérot. Son ami, c'est juste parce que t'es là. Ah, ok, attends, vas-y. Attends, moi j'ai une simple question. Comment ça se fait que vous êtes sage comme ça avec elle? On a tous essayé. C'est une fille, hein. On a tous essayé. Moi quand j'essaye, pourquoi ça marche pas et avec elle ça marche? C'est pas pareil. Parce que ça, c'est pas pareil. Comment c'est pas pareil? C'est quoi qui change? C'est pas la même chose, toi. Bon les gars, voilà les gars, on est 2024, mais il y a 10 jeunes comme ils aiment trop tu colles dans ta vie. Voilà les gars, qu'est-ce que je veux dire, c'est vrai. Il y a des gens qui son rêve tu colles, c'est son rêve que tu fais plus de story, c'est son rêve que tu t'habilles pas, c'est son rêve que tu manges pas bien. Voilà les gars, il y a des jeunes, ils rigolent avec toi, mais ils sont un corps noir, hypocrite de merde. Laisse tomber, voilà. Mais nous, on ne parle de personne, on parle de Dieu. C'est Dieu qui gère ça. Si Dieu, tu me donnes, Dieu me donne. C'est pas les gens qui me donnent. Bon, bref, passez bon après-midi, Inch'Allah. Comment ça me snap pas? C'est 8 ans, c'est pas vu, tu me dis snap pas? Frère, comment ça tu passes dans ma story? Là, moi, t'es devenu un. T'étais un traître maintenant, on est en guerre là, tu vois, dans ma story. Ouais, je préfère, voilà. Qu'est-ce que ça dit là? Tu sortais plus de la maison, frérot? Écoute, t'es casanier, si on est bien, ça veut dire quoi? Moi, je vais vous dire la vérité en story. Il avait peur de se faire virer de chez Nasser. Du coup, il ne sortait plus. Ouais. Vrai ou faux? Faux. Franchement, là, quel menteur! Oh là là, quel menteur! Ah, qu'est-ce que tu fais, Farah? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je crois qu'il y a un adversaire là-bas qui veut. Ah, je crois que ça part en bataille d'eau là, en plein quartier. Ah, qu'est-ce que tu fais, Farah? Tu veux quoi? J'ai mon dieu, frère. Ton dieu, c'est vrai. Je lui dois une pub parce que ça fait 3 mois. S'il faisait la vaisselle, je lui avais promis une pub. Ah, si, si, c'est la vérité. Il a fait la vaisselle pour une pub. Bon, allez. Wesh. Qu'est-ce que ça fait? Bah, on est là, là, on rentre. Pourquoi vous rentrez, les gars? Ça fait. Vous êtes arrivés hier? Ouais, non, c'est avant-hier, mais vas-y, on a un jugement là. Vous avez un jugement? Ouais. Vous deux? Ouais. Proche. On l'a cambriolé d'Arty. Vous avez quoi? Cambriolé d'Arty? Toi aussi? Oui, on était 4 en tout. Vous étiez 4? Ouais. Mais attends, mais juste. Comment vous vous êtes dit, je vais cambrioler d'Arty? Elle a vu, c'était la haisse, on avait plus de téléphone. Vous avez cambriolé d'Arty pour des téléphones? De base, ouais. On voulait des téléphones. Raconte, ah ouais. Je... Bah, mais attends, j'ai du mal à vous croire, j'ai l'impression que vous foutez de ma gueule. Comment lui, il cambriole d'Arty? Bah, en gros, de base, on était parti chercher un magasin de téléphone pour pouvoir après cambrioler. Sauf que c'était fermé, on n'avait pas accès. Du coup, on avait un Darty, on a fait du repérage et tout sur le toit. Après, on a pété la vitre, les deux là. Ouais, mais raconte pas trop les détails. Mais comment ça se fait que vous êtes fait choper en mode. Ils vous ont remonté comment? Vas-y, le mec, il est resté 45 minutes dedans, le con. Il est resté? Mais c'est une visite ou c'est. C'est un cambriolage, frérot? 45 minutes! Mais comment il se dit, je vais voler tout ce qu'il y a dans le magasin et je vais rester 45 minutes? C'était la nuit? Ouais, il était 3 heures. 45 minutes? Mais vous avez jamais vu que dans les films, même à la télé, ils disent que un cambriolage c'est 3 minutes? Bah ouais, comment 45 minutes? C'est parce que lui, il avait les yeux plus gros que le monde. Bah là, oui, là. À partir du moment où il met 5 télés. Vous l'avez cambriolé ça ou? Non, non ça c'est Nas qui me l'a acheté, non? Bon les gars, juste plus de cambriolage ouais, et au plaisir, hein, vous savez. Vas-y les gars. Voilà. T'es un fumier. T'as bu de l'alcool, tu peux l'alcool.
L'Akhdar, tu peux l'alcool. T'as encore bu? T'as encore bu? Bu? Oui. Bu, j'avais pas bu. Pourquoi tu regardes les vidéos quand on est parti au studio? Parce que toi, tu fais rapper les jeunes du quartier. Et à moi, tu me fais pas rapper. Tu viens de rentrer dans la team. On va sortir notre propre son. Tu sais ça? Oui. Et aujourd'hui ou demain, je vais te ramener à toi aussi. Mais attends, notre propre son, t'as dit? Ouais. Ah, moi, comme par hasard, je rappe pas, les autres ont rappé et... Toi, tu sors le propre sang. Vas-y, c'est bon qu'il aille. Je crois qu'il n'a pas compris, lui. Il est énervé. J'ai dit, je te ramène aujourd'hui ou demain. Regardez la réaction. J'étais sur la story à Nasdaq, les gars. J'étais en train de regarder. J'ai vu mon lire et écrire. Et c'est quand tu vas l'apprendre? Alors, à partir de demain, tous les après-midi, je vais prendre les petits. Et on va apprendre à lire et à écrire. Eh ben, c'est bon, je serai présent. C'est bon? Allez, nickel. Tu feras les surveillants. C'est bon, pas de soucis. Allez, c'est bon. Je demande Helica Coco Chanel de Panam à Dakar, je suis trop décalé. Mais pour vous, ça veut dire quoi que la fête? Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas aujourd'hui avec le retour de Farah Nietzsche. Voilà, tout simplement le retour de Farah Nietzsche. Mais le problème, c'est que le snap, il bug. En fait, c'est pas qu'il bug, c'est qu'ils ont mis pour tous les comptes Snapchat la lecture répétitive. De chaque bout de story, de chaque partie de vidéo. Donc, chaque fois, il faut appuyer sur l'avant, voilà. Comme disait quelqu'un, des fois, on a envie de laisser la story passer, pas appuyer toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, appuyer. Il faudrait le dire à Farah, voilà, qu'elle aille dans les réglages, qu'elle désactive la répétition automatique. Donc... voilà, boss, cette vidéo, je la passe sur Nas06bis, voilà, sur la chaîne secondaire. Donc, Nasdas de retour, également Nasdas de retour, bah, sur la chaîne ActuYTB2. C'est marqué là, sur le logo ActuYTB2, c'est la chaîne principale. Voilà, Nas06bis, c'est la chaîne secondaire. Je mettrai d'autres stories à la vite fait. Voilà, d'autres stories à la vite fait, tout ça. Voilà, parce que je mets pas d'avatar là sur cette chaîne, voilà. Pour l'instant, je fais comme ça sur cette chaîne. Voilà, chaîne un peu à la vite. La chaîne principale, ça reste ActuYTB2 où il y a les plus grosses stories, tout ça. Ça, c'est les stories moins importantes, on va dire, moins importantes. Voilà, tout simplement. Mais même les stories de la team Nasdas, je les passe, voilà, si ça vaut le coup, je les passe sur ActuYTB2 ou ici, parfois ici. Voilà, ici, il y aura peut-être des stories de temps en temps de Soulax, de temps en temps de Bassem Braiki, de temps en temps des stories à la vite fait de Sivbou. Les meilleurs, je les mettrai sur ActuYTB2, bien sûr. Et je voulais revenir à la story, la Billy DZ, voilà, qui parle des rageurs. Et il y en a qui sont comme ça pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons. Il y en a, ils t'ont tellement critiqué, ils t'ont tellement fait passer pour un minable, pour eux se grandir, que ta réussite leur fait mal. Voilà, ta réussite les fait mentir. Donc, ils ont tout intérêt à te voir couler, voilà. Pour pas les faire passer pour des guignols, voilà, tout simplement. Il y a aussi les jaloux qui se disent, ouais, pourquoi lui, il est influenceur, pas moi, qu'est-ce qu'il a de plus? Peut-être qu'il a eu de la chance aussi. Peut-être qu'il s'est bougé aussi, parce que la chance, voilà, peut-être qu'il s'est bougé aussi. Une fois qu'il a eu la chance, ben, il a travaillé. C'est pas tout d'avoir la chance. Comme certains, tu auras beau leur donner 100 000 followers, au bout de 3 jours, ils ne feront plus rien. Voilà, ils seront à la plage, en train de rigoler avec les copains, et ils en feront rien. La chance, des fois, si tu n'en fais rien de la chance, ben, ça ne va pas fructifier, bien sûr. Il y a aussi différents cas, il y a différents cas qui... Voilà, voilà tout simplement. Voilà, et le chat de Simba, le chat de Crimo et Lauriana qui stresse, voilà. Et moi, est-il sérieux avec Maria? C'est une autre question, voilà, c'est une autre question. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'un énième réseau social. Pour ceux qui se perdent sur YouTube et Google dans les navigations. Ceux qui veulent regarder sur grand écran, etc.
Voilà, et ceux qui n'aiment pas mon commentaire, ben vous pouvez appuyer sur stop, ça prend 2 secondes, tout comme mettre un pouce bleu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, Nas06bis, tchuss et à plus. Et là, ça fiche d'autres propositions de vidéos, donc je vous dis à très bientôt.